Bonjour, je suis Claire Marsden, j'enseigne l'écologie du sol à Montpellier Supagro et je fais des recherches à l'UMR EcoSol à propos de la dynamique des éléments nutritifs dans les agroécosystèmes en lien avec la multitude des organismes qui vivent dans le sol. Avec plusieurs collègues, je m'intéresse en particulier à mieux comprendre ce qu'il se passe dans des systèmes agricoles particuliers appelés cultures associées, qui sont une manière de valoriser la biodiversité en agriculture, puisqu'il s'agit de cultiver ensemble différentes espèces plutôt que de faire des champs monospécifiques. Dans cet exemple de mise en œuvre de l'agroécologie, je vous propose de vous pencher avec moi sur certains des mécanismes écologiques qui contribuent à expliquer l'intérêt agronomique des cultures associées et qui renvoient au domaine de la nutrition des plantes. Et oui, la nutrition des plantes aussi a beaucoup à gagner du côté de l'écologie. Après avoir introduit le sujet, nous décortiquerons ensemble, dans le détail, les processus écologiques de partage des ressources du sol entre plantes, qui sont autant de leviers mobilisables dans les systèmes agricoles. Nous verrons ensuite différents exemples de systèmes de culture associés qui valorisent ces mécanismes. Enfin, nous réfléchirons à la manière dont les connaissances fines sur ces processus écologiques pourront être utiles à la conception de systèmes agroécologiques performants. Ces systèmes de culture associée ne sont pas nouveaux en agriculture. Ils existent en réalité depuis très longtemps et dans de nombreuses régions autour du monde. Ici, cette semaine, nous allons surtout focaliser notre attention sur les interactions écologiques entre plantes associées qui peuvent mener à une amélioration de l'utilisation des nutriments du sol. Comment une connaissance fine de ces processus écologiques d'interaction peut-elle nous aider à revisiter la nutrition des plantes et à concevoir des agroécosystèmes durables? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre ensemble.